Hey les gars, ça va, c'est Energy, on se retrouve aujourd'hui pour déforestation totale. Et il est l'heure d'acheter quelque chose qui coûte très cher. Et du coup, nous sommes en compagnie de Valo. Bonsoir. De Papy. Hello. De Wallon. Bonjour. Et de Black Meat. Salut. Et alors Wallon, on n'aurait pas retrouvé quelqu'un qui était bloqué là depuis un mois là. Ouais, mais il est pas avec nous. Il est pas avec nous. Moi, je crois qu'il parti. A. Là, il a réussi à se débloquer parce qu'on est de retour avec Pingouin. Tu peux retirer ta tête de la porte. Salut. Il était bloqué dans les chiottes depuis, on l'entendait pas. On a fait la visite, il gueulait, on l'entendait pas. Mais il est bien là, il est de retour après, après un mois. C'est la batteuse qui fait trop de bruit, ça. Oh, c'est on l'entendait pas. Ça doit être ça. Putain, mais qui c'est qui a renversé le barbecue? Il y a un hooligan qui est arrivé là. Mais vraiment. Ah, mais puis je peux pas le porter. Bon, bah, c'est la tornade, c'est la tornade. Ah, mais oui, c'est Valou à chaque fois là. C'est la tempête, c'est la tempête. Maintenant, il est temps. Alors, d'ailleurs, bilan du off, comme vous pouvez le voir, on a 2 587 000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette valeur, mais c'est quand même proche d'un achat que j'ai envie de faire. Je dis ça, moi, je dis ça, je ne sais pas. C'est peut-être un rapport avec un bateau. Un très grand bateau qui va être impossible à manœuvrer, mais on adore. On adore. Du coup, faire le plan, le plan pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé durant ce off. Il n'y a pas eu énormément d'arbres d'abattus parce qu'on avait déjà de quoi faire, on va pas se mentir. Mais par contre, on a quasiment... Ouais, on a bien débarrassé quand même. Même si après, c'est énervé par là, ouais, elle en a fait quelques-uns. C'était Marion qui avait abattu ça. Alors, je ne vais pas payer. Eh non, c'est ce que je préfère par-dessus tout, c'est de ne pas payer. Mais, parce que bah, je vais quand même payer indirectement. Est-ce que Black Meat, tu peux aller dans le port? Parce que résultat du sondage, magnifique, magnifique. Non, vous m'avez totalement baisé. Je vous déteste. 20 000 euros. Pourquoi pas 5 000? Pourquoi quand il y a des propositions, à chaque fois, vous prenez le plus cher? Ah, mais c'est cher. Un abonnement sur combien de le temps? Le plus cher. Pour l'épisode. Par épisode. Par épisode. Ah bah oui, d'accord. C'est un peu cher ça, quand même. Je pensais que c'était annuel, gros. Mais gros annuel. Alors là... Annuel. Eh, on voit le mec. Attends, on voit le mec qui fait des carrières no cheat, quoi. Ouais. Il a aucune notion de l'argent. Normalement, il en a rien à foutre. Bon, du coup, je vais payer mon abonnement. Du coup, comme vous avez vu les résultats, mon abonnement, ça sera 20 000 euros chaque épisode. En comptant le off, bien sûr, parce que sinon, là, je ferme la boutique. Hein, c'est terminé. Bon, on va, du coup, monsieur Black Meat, tenez l'abonnement. Transféré. Voilà, merci, vous pouvez rentrer maintenant, vous n'aurez plus besoin de vous arrêter parce que d'ailleurs je suis sûr au montage je vais oublier et je vais quand même mettre les moins 5000 à chaque fois. Non, je vais m'en rappeler, c'est je pense. Possible. Non mais je fais ça depuis 6 mois. Je vais jamais réussir à me l'enlever. Et de 2 et de 3 et là le meilleur, regardez. Regardez une performance extraordinaire d'un homme qui joue depuis la banquise. Regardez. Il a littéralement mais Et heureusement que ça s'est réveillé d'un coup là parce que il allait droit vers. Bon, après, il y en a qui n'ont pas de ping, qui font des marches arrière, on sait pas trop ce qu'ils font. Non, j'ai 2000 de ping gros, au moment où j'avance en fait. Là, c'est bon. Oh là 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 là, c'était chaud là. Là, comme c'était chaud hasard, l'histoire wallon. Donc, c'est le seul chargement qu'on va amener ici.
Que après ça ira au copeau. Parce qu'on a besoin de copeaux pour remplir un truc que je vais acheter. Mais attendez, je vous en dis un peu plus dans quelques instants. Parce que ça va être quelque chose. Il y aura une petite scène roleplay comme on aime les faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de roleplay en plus sur cette série. Donc ça fait longtemps que t'as fait un roleplay du tout court. Tout court. Pour ça j'ai fait appel au spécialiste du roleplay pour cette séquence. Voilà. L'un des plus grands réalisateurs de réalisme sur Farming. J'ai nommé, bien évidemment, Mister Wallon. Mais ça, vous verrez ça dans quelques instants. On attend juste que Pingouin n'hésite pas à décharger. T'avais déjà déchargé avec ses remorques ? Non. Ah ouais, donc ça fait longtemps quand même. T'es jamais sur Farming pour enlever les sangs que c'est elle. Je suis mort. Monsieur, excusez-moi. Oui, bonjour. J'aimerais voir le responsable. Ah bah vous l'avez devant vous, hein, monsieur. Ah bah vous tombez bien. Du coup, je recherche un bateau à peu près comme celui sur lequel on est. D'à peu près la même dimension, mais un petit peu plus large pour mon entreprise forestière. Beaucoup plus large ou un petit peu ? Non, un petit peu, ça servirait principalement à stocker du bois et des copeaux. Ok, je peux garder à ça. Vous avez une ordre d'idée des prix ? Ouais, bien sûr, ce sera entre 2 millions et 2 millions 5. D'accord, ok, bon, c'est à peu près ce que je pensais, je m'étais renseigné un petit peu sur internet. Okay. Vous pouvez m'envoyer un devis sur ma boîte mail ? Oui, pas de soucis. Allô ? Oui, allô, monsieur Olivo ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est William de la société Maritime Transport. Ah bonjour, vous m'appelez pour le bateau ? Oui, bien sûr, on a été vite, j'espère que les délais vous conviennent. Ah bah super, oui, super. Ok, bah parfait, c'est pour vous dire du coup qu'il est arrivé, qu'il est fini aujourd'hui, vous pouvez passer le chercher. D'accord, je peux passer quand est-ce que ça vous arrange ? Dans l'après-midi, de toute façon je serai là ou un coéquipier à moi sera là, il vous d'accord. recevra. D'accord, je vais passer sur les coups de 15-16 heures. Ouais, ça va, je serai sûrement pas là, ce sera mon coéquipier, et je lui dis directement, ça va. D'accord, très bien, on fait comme ça, je vous remercie. Ok, pas de soucis. Bonne fin de l'après-midi, au revoir. Bon, dans l'ensemble, je veux dire, c'est un bon bateau, ça se voit, hein. Ça a l'air fiable et tout, mais présenter le moteur, c'est pas mal. Mais, moteur neuf, ouais. Moteur tout neuf, mais à votre collègue, j'avais commandé un bateau William. Neuf. Oui, à William. Il a regardé, ça, c'est de la récup, ça. Non, normalement, sur le contrat, c'était marqué bateau d'occasion, mais moteur neuf. Ah ! T'es pas marqué ça ? Parce que pour 2,5 millions, normalement, ce type de bateau, ça vaut plus 6 millions, 7 millions, 9. D'accord, donc là, tout est toute la motorisation est neuve. Oh, voilà. Sauf, en gros, la coque, la carcasse, quoi. Voilà, mais elle a été rénovée, même. La peau de peinture blanche. Oui, bon, d'accord. De peinture blanche, quoi. Ok, bon, ça va que ça m'a coûté que 2 millions, hein. Mais vous direz à votre collègue d'être un peu plus clair la prochaine fois, parce que... C'est William, il est toujours comme ça. Ça peut porter à confusion. Ça doit être le patron, mais il est toujours comme ça. D'accord, ok. Comment ça, il est un peu gros ? N'importe quoi ! Qu'est-ce qu'ils nous ont inventé, en fait ? Il est deux fois... Mais en fait, il est carrément plus grand que celui qu'il y a là, en fait. Mais oui. Putain, je le vois de mon abatteuse. Ah oui, d'accord. Ah oui, il disparaît jamais, en fait. tout qui dispone sauf le bateau. Oui, bon. Hein ? C'est le vendeur de bateau qui me l'a livré comme ça. L'abus. Voilà, maintenant il faut le mettre dans l'eau. Le problème c'est que pour moi le port est bloqué, plus question de livrer. Hein. Là oui, non, là on va éviter. Merde, comment on va faire C'est pas comme les autres, tu montes pas dedans et puis tu avances. Mais oui, alors comment on rentre dedans? Ah ouais, comme ça. Attendez, je le démarre. Ok. Qu'est-ce que c'est de bord? On entend de là. AMDR. Putain, je suis triste de pas voir le son du coup. On l'entend à l'autre bout. Allez, moi j'entends loin. Oh la vache.
Ah, attends. Attends, je vais te soulever un peu. Bah écoute. Je vais te soulever un peu. Ok. Ok, ouais, je trouve que ça va un peu vite entre nous. Peut-être. Oui, vas-y, mon petit. Non. Attends, je vais te pousser de derrière. Mais pourquoi? Alors, se calmer. Bien joué, les rattrapages. Oui. Ah, presque, hein. Et il manque pas grand chose. Oh putain, mais quelle emmerde. Moi et Pingouin, on aura passé. Avancer sur l'eau. Qu'est-ce qui m'a appris de mettre un bateau là-dessus? On aura. Si, il avance sur l'eau, j'ai déjà essayé, mais. On aura passé la moitié de l'épisode à faire ça. Hein. Allez, trop là, j'arrive plus à le pousser. Ah, mais moi j'y vais petite. Non. Tu veux qu'on arrive avec un camion? Non, ah, ça bon. Va être bon là. C'est qu'il aide le tourneau. Ça va être bon là normalement. Bon, allez, je vais travailler parce que sinon il y a rien qu'à faire. C'est une heure qu'on a commencé, maintenant vous savez que Mister Roland vient de commencer sa journée. Oh putain, c'est la meilleure moment de faire penser. Ah non, mais j'avais repris depuis 10 secondes là. Et il sort ça, ça me fume. Et voilà. What? Il a de la patate? Il a mis les traces de ouf. What? Oh putain. Mettez-toi. Je vais arriver dans le prochain épisode, il n'y aura plus de klaxon. Ils auront tout coupé. Mais c'est trop bien. Mais c'est génial. Attends, je suis en train de pousser le mien là. Je vais le mettre où alors? On doit le remplir de copeaux. Ah ouais, ça va être trop stylé. Ça va être marrant. Mais du coup. On fait ça dans cet épisode, ouais? Ouais, on va commencer dans cet épisode. Regardez quand on fait X. Non, quand on fait N, on enlève les bâches, regardez. C'est magnifique. Et tout s'ouvre. Comme un livre. C'est notamment pour Wallon qui adore la littérature. Ouais, bah. Moi, de toute façon, 500 pages par jour ou alors ça sert à rien. Sur la journée, ça vaut pas le coup de vivre quoi. Oh, ça marche! Oh, ça marche! Par contre, ça lag. Ah ouais? Ça lag. Et oui, j'ai pas lagué une cacahuète. Mais mais. Oh, ah ouais, plus. Ça marche! Du coup, alors attends, il a combien de pourcents de remplissage? Ouais, pour rentrer dedans, t'es obligé d'aller sur la map. Monter. Eh, 2%! 2% ouais. 75 000 Attends, 2% 75 000 C'est sûr qu'il fait 2,5 millions. T'es sûr ça? C'est, en fait, il a deux bennes. Ah, ouais. Il a 2% bennes. D'une benne. 2% en fait. D'une des deux bennes, ah oui. Et l'autre a l'air plus grand. Non, c'est pareil, je pense. We did have something, it's hard to explain. Remember that song we used to sing in the rain. Alors, j'ai trouvé un endroit, et je sais pas c'est quoi ce braquage, mais il fallait pas avoir le terrain avant de modifier? Avant pour modifier pour, normalement si. Hein. Bah ouais, bah là, c'est la fête du slip en fait. Y'a aucun problème, je peux modifier comme je veux. Bah, j'ai envie de dire, bon, voilà, est-ce que c'est de l'abus? Sûrement. Mais est-ce qu'on en profiterait pas un petit peu? Je dis pas. Je dis pas non plus. Du coup, on va faire une petite zone de chargement. Et je pense qu'on va faire ça avec des convoyeurs, parce que c'est rigolo les convoyeurs. Et voilà, tout simplement. Parce que j'ai une passion pour les convoyeurs dans toutes mes séries. J'ai commencé à utiliser sur partir de cette semaine. Et bah, je vais continuer. Oh putain, par contre, il y a une. Ce serait peut-être bien, par contre, ce serait que t'en mettes plusieurs côte à côte. Ouais, parce ouais, que je pense ouais. Que ouais. Vider, on hein. Va en mettre, je pense, 3 par ben. Là, je pense que ça va être efficace, 3. Mais ça représente parce que un investissement. C'est long à vider avec ouais. les machins. Moi, j'en avais un qui était rapide, mais ouais. Je l'ai pas repris, je suis trop con. Je vais être obligé de prendre celui qui va à 3 km/h. Je vais passer mon épisode à l'emmener. Ah mais non, on peut l'atteler sur un tracteur. Mais non, il y a le camion. Mais tu prends un tracteur. Oui, il l'a atteler sur un tracteur. Ou soit tu te déplaces avec le bateau, le balance dans non, le moi bateau. Moi je pensais pas au niveau du déplacement, moi je pensais au niveau du chargement. Ouais, mais rien qu'au niveau du déplacement aussi, c'est quelque chose. Tu prends une voiture. Oh, une voiture. Tu prends une voiture, une bagnole. Ça veut dire quelque chose. Tu prends la bagnole de Valo qui est coincée depuis des épisodes au même endroit. La bagnole. C'est faux. La bagnole. C'est pas mal ça. Mais bon, tant qu'on n'a pas la parcelle, il y aura des souches. Mais je suis sûr, on peut les enlever. Hein. T'es sûr? Bah, si, oh, bah, si tu peux modifier le terrain, il y a de fortes chances que tu puisses enlever les souches. Il y a moyen. Et du coup, Black Nick a l'air tellement sûr de lui. Qu'il aura pas de salaire s'il a tort, effectivement. Non. Qui va venir nous montrer avec son skidder. Alors, j'ai décidé de prendre le man parce qu'en fait, c'est très smart. Enfin, je sens que c'est pas smart, mais on va essayer, on y croit tous. On va commencer avec 2 convoyeurs. Je pense que c'est pas une mauvaise idée en soi. 2 convoyeurs comme ça. Ils sont. Oh putain, ils sont énormes! Mais c'est les petits convoyeurs, ça! Eh, ça rentre? Oh, y'a moyen que ça rentre. Ça rentrouille. Ouais. C'est. Ouais. Bon, l'idée. Ça n'arrivera pas au bout, quoi. Ouais, l'idée n'est pas mauvaise. Non, en vrai, c'est pas mal.
Moi, j'en mets qu'un alors. Je mets qu'un convoyeur. Je vais les bon, je vais devoir quand même faire un aller-retour. Hélas, j'en achète un deuxième ici. D'ailleurs, faut que je me rappelle qu'il faut que je paye les gens aussi un jour. Ouais, bon, c'est pas grave. On verra. On verra une autre fois. Voilà, tu peux pas l'atteler derrière la remorque l'autre ? Si. Mais si tu veux, j'emmène un petit, un grand et un petit, un grand. Et c'est compliqué d'amener les quatre. Donc ouais, je vais les emmener deux par deux. On va éviter de vouloir gagner du temps et en perdre énormément. Ça m'est arrivé beaucoup trop de fois, donc ouais, on va amener ça sagement. Tu t'oxyleres. T'es devenu malin avec le temps ? Non. C'est temporaire. Hein. Dans une semaine, je refais la même connerie. Oui, non, attends. Eh ben, j'ai bien fait de pas cut. Il faut savoir qu'on peut pas atteler ça sur un camionman. Voilà, c'est bon, c'est quelque chose qu'il fallait. My God, the ice cream we used to consume. Somehow we lost it all when we left that room. Maybe we should. Alors, il y a du bois d'amener. Là, il y a du bois d'amener. 366 000 litres de bois brut de ce côté. Pour le moment, 0 litres de copeaux. Et là, 317 000. Wallon qui est en train de tout ranger propre. Non, mais c'est le souci du détail. Quoi. C'est vraiment. On voit le perfectionniste. C'est. J'adore. Mais non, on va accélérer un peu le temps pour avoir des copeaux. Donc, on va avoir un peu de jour-nuit. Mais c'est pas grave. Ah oui, là ça produit, là direct. Bam, 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 des copeaux qu'on va pouvoir livrer. Mais j'ai pas encore fini totalement la plateforme, vu que j'ai livré que un sur les deux, vu que je pouvais pas atteler derrière celui-ci. Mais Black Mick a pu enlever les souches, alors qu'on n'a pas le cas. Et ça, c'est vraiment génial. Mister Wallon, nous sommes au lieu du chargement. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire un petit site. Là, il y a moyen de faire un truc sympa, d'aménager des trucs. Mais j'ai pas les moyens. J'ai plus que 50 000. Autant dire que je pose deux bâtiments, c'est terminé. Donc, je vais aller aider mes chers amis à charger des camions. Et là, s'il en reste beaucoup, j'aurais bien aimé qu'ils me disent ouais, non, t'inquiète, il y en a plus que deux à emmener. Hélas, non, c'est pas comme ça. Et on va en profiter, bien sûr, pour lire les commentaires des abonnés. Et d'ailleurs, ça lag pas ? Non. Ah bah c'est nickel. Bah c'est ça qui est bien avec le broyeur. D'ailleurs, le broyeur est quasiment plein. Donc on va même pas avoir besoin d'emmener là-bas au broyeur. On va emmener directement au point de vente. Ce qui va faire un peu d'argent. On commence avec le commentaire de Mathieu RD. Est-ce qu'il y a un télesco On commence avec le commentaire de Mathieu RD qui nous dit: je pense que ça pourrait être bien sympa de faire un point de vente comme le port. Par exemple, au niveau de l'emplacement en haut de la map, à côté des arbres plantés. Ah oui, d'accord, en haut à gauche. Vous pouvez dire à gauche, sinon c'est le même prix. Oui, je vois. Faire un port ici. Ouais, c'est une bonne idée. Je sais pas. Ou un point de vente, on dit un port, mais ça pourrait être une zone industrielle, un petit train qui vient là en décoration. Faut qu'on en parle avec Axel, mais avant, on va peut-être faire une autoroute. Tu verras dans un prochain commentaire qu'on me reproche qu'il n'y ait pas d'autoroute. Et ils ont raison, parce que c'est vrai que l'autoroute, elle est en travaux depuis, on dirait en vrai gros. On dirait en vrai quand il y a des travaux sur une route. T'as l'impression que ça dire dure 6 ans. Qu'on nous a cassé les pieds à faire l'autoroute rapidement, faut vite tout ouais. qu'on puisse la faire. Alors que vous aurez fait la parcelle avant qu'elle commence. Avant. C'est limite ça. Et voilà. Bon, du coup, merci Mathieu. Et il me dit que ce serait bien sûr la même société du port. Donc j'aurais pas besoin de payer deux abonnements. Bah, j'espère bien. Hein, parce que là, sinon, on met la clé sous la porte. Ensuite, on passe au commentaire de TB qui me dit: salut Energy. C'était pour savoir si tu comptais faire une sorte de mode pack avec la map. Donc la map avec toutes les modifications que Axel a faites. Et que je les mette bien sûr en description pour que vous puissiez télécharger. Alors hélas, non. Parce que c'est illégal. Simplement. Enfin, c'est illégal. C'est du vol de mode. De faire une archive avec plein de mods. Vu que bah, chaque modeur n'a pas sa récompense, sa rémunération. Et du coup, bah, je n'ai pas le droit de le faire. Mais il y a un pack avec la sauvegarde qui est disponible en description de chaque épisode. Alors, je sais que la sauvegarde, il va être temps que je l'actualise parce qu'elle est un peu vieille. Mais vous avez quand même la plupart des mods que j'utilise. Donc, n'hésitez pas à la télécharger pour ceux qui rechercheraient un petit peu les mods qu'on utilise. Même s'il en manque, il doit en manquer 2-3. Mais en même temps, les bateaux, c'est pas vraiment un mod. C'est quelque chose qu'on a récupéré sur notre map. Donc, on peut pas vraiment vous le donner. Donc merci TB pour ton commentaire. On va essayer de mettre du bois là. C'est qui est à côté de moi ? Moi. Ah, c'est Wallon, c'est le perfectionniste, il est encore là. Il est partout. Oh merde, il va falloir quelque chose. Le perfectionniste, on disait. lui-même. Du coup, le dernier commentaire que j'ai à lire, c'est Lucas qui a mis un tout petit commentaire. Il m'a juste dit: quand l'autoroute sera finie, ils auront déjà fini la map. Oui, bah oui. Hein.
C'est à peu près ça, c'est à peu près l'idée. Non, t'inquiète pas, un jour Axel sera de retour. On sait pas quand. Quand il sera pas crevé. Parce que c'est une expression qu'il dit tout le temps. Mais oui, un jour. C'est pour ça qu'on est même passé sur des bateaux là, tellement l'autoroute met du temps à arriver. Mais c'est en prévision. C'est en prévision. Avant 2025, normalement, il devrait y avoir une autoroute qui pointe le bout de son nez. Donc merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à proposer plein de choses encore en commentaire, surtout depuis l'arrivée des bateaux, si vous avez des défis à proposer, des conneries ou des manières de le remplir plus facile que la manière que je suis en train de faire avec les transbordeurs, et même pour réagir si c'est honteux que j'ai pas payé la parcelle. Bon, je la paierai un jour parce qu'il y a des arbres à abattre. J'avoue que 300 000, faudra peut-être me donner un nouveau prix parce qu'il n'y a plus que genre ça en arbres. 350 000 pour couper 20 arbres, c'est un peu cher quand même. Je sais pas, moi je dis ça, je trouve ça un peu cher. Livraison du bois. Eh, regardez-moi ces chargements. En vrai, j'ai kiffé faire du Tesco. Mais c'est parce que je le fais à petite dose. En vrai, c'est plutôt satisfaisant. Bon, faut que le bois soit comme un minimum regroupé, sinon c'est infâme. Allez, il va tout me laisser sur le bord, celui-ci. Non, ça tombe. Ça va, ouais, ça va. J'avoue que c'est plutôt propre. Mais avec le lag, ça restait. Je dis ça, je vais tout mettre sur le bord. Ah, pas trop mal, je pense. Je pense. Ah, si, elle baisse vachement quand même. Ah non, y'a rien. Oh, magnifique. Y'a rien qui reste sur le bord. Vous avez tout livré, c'est bon? Ouais. Franck, moi aussi? Yes. Va sur le trigger de vente, s'il te plaît. Yes. Vas-y, vends. 168 000 et 147 000. Bon, maintenant que j'ai un peu d'argent, y'a moyen de construire quelque chose. Normalement, si je dis pas de conneries. En plus, on a des petits bâtiments sympas. Y'a un bâtiment que j'aimais bien. Attends, il coûte combien? Que j'avais mis la saison dernière, enfin la partie dernière. Il est où? Ah merde, il a pas despawn quand même. Si on avait un bâtiment qui était sympa là, il s'appelait... Ah voilà, Truck Shed. Ah, 60 000 euros, mais ah, il est quand même beaucoup trop stylé. Hein. Oh putain, et si je le mets comme ça? Ça fait vraiment port en fait. Ah, il y a moyen, ça fait un peu chargement de bateau, mais le bateau est trop grand. Ah, c'est tellement dommage. Ouais, c'est pas grave, je vais le mettre dans ce sens là. Ou dans ce sens là. Comment je peux le mettre? Comment je peux gérer pour que ça rentre bien? À la limite, comme ça, là, ça fait un peu l'entrée. Bam! Merde, ça a terraformé un peu. Oh, ça va. Ça rend bien. Oh, si, ça rend très bien. Et là, je mets juste un bâtiment de rangement sur le côté. On va essayer de l'aligner sur le bâtiment qui est ici. Normalement, là... Pas mal. Bam! Ah oui, là ça rend très bien. Bon allez, petit accéléré de moi qui ajuste un peu tout ça parce que sinon c'est dégueulasse. Et on aura un petit peu notre zone de chargement de bateau. Ça nous fera quand même un autre site en plus de celui qu'on doit faire sur le lac depuis 2004, je crois. Allez-y, vous pouvez remplir vos camions et aller en direction du chargement. Alors attendez avant de vider, attendez que je sois là avec vous, qu'on découvre avec les abonnés un peu, parce que sinon bah, ça n'a aucun intérêt. Putain, la vitesse à laquelle ça remplit, c'est un plaisir. Et là, faut aller à droite, hein. Je vois quelqu'un qui va tout droit, faut aller à droite. J'imagine que c'était Black Mick. Non. Bizarrement, je sais pas, j'imagine que ça ne peut être que Black Mick. El Craquito. Ah bah oui, bah alors là... Notre espoir français. Alors là, je vois... Regardez Wallon. Ah mais alors eux deux. Non mais alors eux deux. Heureusement qu'ils ont une caravane. Hein. Si tu m'as suivi comme un con. Ils ont mis le feu 5 fois à leur caravane depuis le début. Ah mais les deux là, c'est des fusées. Merde, j'ai dans le bon sens là. Ouais, c'est par là. Allez, regardez-le, regardez-le bien. Là, il y a un bel enchaînement de virages. C'est pas trop par là, mais c'est pas grave. Si, ça peut être par là, gros. Oui, ça peut être par là, mais c'est pas le plus court.
C'est sympa ce petit coin là. Nous on a l'habitude d'être long. Ouais, là, j'avoue que c'est sympa. Hein. Ouais, bah oui, c'était pour ça. Oh. C'était pour la belle vue, les amis. C'était sûr ça. Conneries d'arbres partout, genre. Ah, c'est chiant les mecs à chier. Allez hop, voilà. Ah, c'est bon, ça passe, ça ouais, passe. Tu m'as bloqué, mais mec, t'es sérieux? Qui c'est qui me bloque là? Ah non, je croyais que quelqu'un me poussait. Écoute. mais pingouin, t'es à chier, gros. Allez, avancez. Ah là là, Wallon qui nous gêne. Oh là là, on a bien fait de passer par là, hein, vraiment. Bon, ce là, je suis bien arrivé, moi. Ah, Wallon, oh, ah la foule. Voilà. Bah ouais, c'était sûr, hein. Putain. Ah oui. C'était sûr, gros. Ah, Wallon, il aurait pu le tenir jusqu'au bout, mais pas de bol, il y avait le pont. Oh merde. Allez, hop. Et voilà. Je retombe tout le temps sur mes pieds. Bon, ah. J'aiderai dessoucher ici après. Bah oui, gros, il était là, il a même pas dessouché ça. Bah, non. Bah c'est malin. Donc regardez la zone, une fois qu'elle est un peu meublée. On va pouvoir vider au niveau des convoyeurs. Attendez, attendez. Attends, Black Mick. Oh les lags, par contre, c'est abusé. Cette série est insane en vrai. On a commencé avec une tronçonneuse, on en est là. On a acheté un bateau quoi. Ah, par contre, j'ai plus un radis, mais c'est pas grave, on va faire après. On fait comment pour vider, c'est contrôlé ou juste I? Contrôlé. On n'avait pas accès à ça. T'as dit quoi? Ça sent la connerie, ça. Je sais pas pourquoi. J'ai même pas entendu. On peut pas vider, on a pas le terrain. Vous n'avez pas accès à ce terrain. Oh putain, non. Bon. Il reste plus qu'à l'acheter. Ah, alors, combien on l'achète? Bon, il reste un quart des arbres. Moi je dis qu'un quart du prix c'est logique. Il reste... En vrai, il reste pas un quart des arbres, il reste un cinquième des arbres. Un cinquième, et encore, je suis gentil. Un cinquième des arbres, ça coûterait combien? Donc 350 000, donc logiquement on divise par 5. Donc là normalement il me reste 60 000, dont 100 000 euros d'emprunt à rembourser. Là normalement on peut vider. Contrôle I. Ah, ça marche quand même mieux. Ça marche quand même nettement mieux. Bon là on a pas dû activer les. Hop, les. Vite, faut que je les active. Comment on active ça? B, activer bande transport. Voilà. Ça va mieux marcher normalement. Ah voilà, ça va couler. Ça va couler dans les bateaux. Bon, vous entendez peut-être la pluie parce qu'il pleut à torrent en Bretagne. Mais de toute façon, on s'arrête là. On va passer au salaire. Oh, c'est stylé, c'est stylé. Ah franchement, c'est beaucoup trop stylé. On est en train de remplir un bateau, les gars. On en est où là? On est au level supérieur. Bon, je sais pas si on va entendre à fond la pluie. Je pense parce que je l'entends très fort personnellement. Bon, on va payer nos jeunes salariés. Allez dans vos fermes, bien évidemment. Alors, Wallon, du coup, 16 000. Vu que vous étiez deux. Ouais. Valo, 8 000. Black Milk, 8 000. Et El Papito, on va dire 15. On va dire 14. Et voilà, les salaires sont virés. Merci à vous, les gars. Et puis, bah, on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour voir l'avancée du bateau. Allez, énergie. Ciao. Salut. Set the pedal,